devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui, je fais une vidéo tout simplement. Comment vous dire? Il est assez tard, il est 22h pour moi. Je suis rentré du boulot, je suis assez fatigué et la seule chose que j'ai envie de faire actuellement, c'est d'aller me coucher. Mais il faut savoir qu'en fait, actuellement, je suis en contrat avec RPM. Du moins, j'ai signé un contrat avec RPM, donc un network France, un network américain. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un network, ça vous permet de monétiser vos vidéos, de monétiser, d'avoir les miniatures sur YouTube. À l'époque, ça permettait d'avoir le design, d'avoir les vidéos avec une durée supérieure à 15 minutes, etc. Donc du coup, j'étais en contrat pendant un an avec eux. C'était à l'été dernier. Donc c'était le 25 juillet 2012 que je suis passé partenaire avec eux. Et je voulais rompre le contrat avec eux, tout simplement parce que les avantages qu'ils me proposaient, en fait, il n'y avait pratiquement aucun avantage qu'ils me proposaient, à part un support qui répondait 24 heures sur 24, et un dashboard. Pour ceux qui ne savent pas, un dashboard, c'est un site internet qui vous permet de voir vos statistiques, de voir combien vous êtes payé, etc., qui est complètement buggé, en fait. Leur truc est complètement buggé. Il faut se réidentifier dedans avec notre compte YouTube, donc notre compte Google, 3 fois par jour et tout, donc c'est un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et donc du coup les avantages ne me satisfaisaient plus, et donc du coup j'ai voulu changer de partenariat pour aller vers un partenariat français qui est donc judiciairement plus sûr pour moi et aussi plus simple de communication. Et donc du coup j'ai trouvé la solution Divimove. Divimove, c'est un partenaire, donc un network allemand qui nous permet, qui a une section française. J'avais discuté avec le monsieur, etc., sur Skype, j'avais lu mon contrat en français, etc. Et donc j'ai envoyé une demande de rupture de contrat chez RPM, sachant que j'avais dépassé la date de demande de rupture de 3 jours. Cela fait donc maintenant 13 jours que je suis en train de me battre avec eux sur le support, en les menaçant de faire une vidéo de propagande, de mauvaise propagande, disant que je vais dévoiler leurs chiffres de revenus, etc. Ils ne m'ont pas cru, donc je suis actuellement en train de la faire devant vous. Je sais que vous n'êtes pas forcément concerné par ces histoires, mais je le fais tout simplement pour pouvoir rompre mon contrat, parce que dans mon contrat il est stipulé que si je n'envoie pas un email de demande de rupture de contrat avant le 25 août, ce que j'ai fait le 27 août, je ne peux pas rompre mon contrat et il est automatiquement reconduit d'un an. Seulement, moi, comme je l'ai expliqué, je leur ai fait savoir au mois de juin que je sais qu'il y a des avantages disponibles, mais pour les gros youtubeurs, je leur ai fait savoir que je voulais avoir réévaluer mon contrat. Réévaluer mon contrat de façon à avoir d'autres avantages, des avantages plus intéressants, en fait, leur faire une sorte de chantage, comme on fait par exemple avec un employeur, pour pouvoir lui dire si tu veux que je reste, tu me fais une petite augmentation. Ils ne m'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu me faire l'augmentation, m'ont fait clairement comprendre, si tu veux avoir d'autres avantages, tu dégages. Donc moi, c'est ce que j'ai compris, j'ai donc trouvé un autre partenariat. Maintenant, ils ne veulent pas me laisser partir, et malheureusement, tout salarié peut rompre son contrat, même si il est même sur YouTube, je veux dire. Je trouve en fait que RPM en fait me prend tout simplement pour un con et me prend. Je trouve que en fait c'est limite de l'esclavagisme de forcer à quelqu'un à rester, même si eux ils ne le souhaitent pas. Moi je souhaite partir. J'ai respecté ma première année de contrat. En plus ils m'ont automatiquement prolonger mon contrat d'un an sans me prévenir, en fait. La prolongation est factice, j'ai envie de dire, vu que je n'ai rien signé, je n'ai pas donné mon accord. J'ai donné mon accord en fait en signant mon contrat pour une durée d'un an l'année dernière, et non pour une nouvelle
pour une nouvelle année cette année. Je pense que, et même ça doit être dans les lois du travail, que ça soit aux États-Unis ou que ça soit en France ou en Europe, que l'employeur doit prévenir son salarié en cas de prolongation de contrat, en cas de rupture de contrat. Et c'est pas un salarié français, comment dire, d'aller voir, de retenir pendant un an ce que son contrat d'un en anglais lui stipule, surtout quand son employeur va lui payer 50 dollars par mois. Je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est de l'esclavagisme et que j'ai vraiment envie de partir de ce partenariat. Donc du coup, ce que je vous conseille, honnêtement, j'ai conseillé RPM pendant très longtemps. Dans la communauté Dofus, il y en a certains que j'ai envoyés vers RPM, il y en a certains qui sont devenus partenaires chez RPM, et aujourd'hui, je pense que je le regrette honnêtement, et d'ailleurs, je crois que je vais supprimer une vidéo, j'avais fait un tutoriel sur RPM, et honnêtement, je vais le supprimer. Honnêtement, je vais supprimer cette vidéo, tout simplement, parce que RPM, actuellement, me prennent plus pour des cons, ils montrent que c'est un partenariat qui n'est pas... un network qui n'est pas sérieux, qui n'est pas à l'écoute de ses salariés, de la chose qui leur fait gagner de l'argent, parce que sans le travail des youtubeurs, RPM, ça ne serait rien. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. De plus, c'est pas la seule chose qui me choque. RPM nous fait un cinéma pas possible avec leur anglais. Ça fait donc 13 jours que je suis sur le paquet, sur le support, au taquet, en train de leur répondre à des messages tous les soirs, en rentrant du boulot, etc. À leur dire vous me prenez pour un con, etc. Et ils font en me répondant avec des messages automatiques, ils me répondent oui, mais votre contrat il a été prolongé, revenez au mois de juillet prochain. Donc moi, honnêtement, je leur ai répondu vous vous foutez de ma gueule, vous me prenez pour un con. Et là, au bout d'un moment, une femme m'a répondu par un message qui ne semblait pas être automatique, et m'a répondu, il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord humains, et que voilà, il faut avoir un minimum de respect. Donc là, à ce moment-là, je lui réponds que de toute façon, ils ne me respectent pas, etc., que c'est n'importe quoi dans leur message, je vais pas vous montrer les mails, ou du moins je peux vous les montrer, de toute façon, ça changera rien, c'est écrit en anglais, je pense pas que la moitié d'entre vous comprendront ce qui est écrit dessus. Et donc, j'ai commencé à m'énerver, et là, comme par magie, un mec qui s'appelle Steve est arrivé et m'a parlé en français. C'était un français, ça se voyait, c'était pas un français brut. Je sais pas, je doutais un peu de l'écriture. Je me disais que c'était un peu, tu vois, le français, l'anglais qui écrivait sur Google Traduction sans écrire sur Google Traduction. Parce qu'en fait, c'était quand même un bon français, mais pas un vrai bon français comme un français il écrit, quoi. Donc voilà. Et je me disais, waouh, c'est incroyable. Et puis ce Steve, je l'ai plus jamais retrouvé, il m'a plus jamais remis en contact. Et là, aujourd'hui, j'ai eu une vidéo, à nouveau, un message automatique qui me disait, bonjour, je ne suis plus autorisé à discuter de la question de votre prolongation de contrat. Et je vous invite donc à, si vous avez d'autres questions, je vous invite donc à me les poser. Donc là, je leur réponds tout simplement que je vais poster ma vidéo de propagande, même si je la poste à 22 h, je m'en bats les couilles, et je leur fais que je vais les traîner en justice. Ça, c'est un conseil d'ailleurs que bah, c'est Vidéofus qui m'a donné, de traîner en justice, de les menacer de les traîner en justice, RPM et YouTube. Mais ça n'a rien fait en fait, ils n'ont eu aucune réaction. Malheureusement, YouTube et RPM, j'ai autre chose à les faire que d'aller les traîner en justice en France. Au prud'homme, etc. C'est un contrat américain, je vais m'emmerder dans une affaire qui n'est pas possible, surtout pour YouTube, quoi. Donc c'est pour ça que je tente ma dernière chance aujourd'hui en vous postant cette vidéo de propagande. Et tout simplement, je n'ai qu'un seul mot. Si vous êtes YouTubeur, n'allez pas chez RPM. Si vous êtes YouTubeur français, même si un network vous propose des choses attractives, quand elle vous attire, sachant que moi, quand j'étais attiré par RPM, ils me l'ont dit clairement, viens chez nous, RPM c'est bien, RPM c'est nouveau, RPM ça te propose des choses, RPM ça a de l'avenir, RPM ça te paye bien. Moi j'ai été attiré par ça, maintenant je me suis fait enculer par RPM. J'ai lu le contrat parfaitement, parce que j'ai quand même un anglais qui est quand même assez bon, donc le contrat je l'ai lu, et il est indiqué dans le contrat que il faut que je viole une des règles pour pouvoir
rompre le contrat. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de violer une des règles pour pouvoir rompre le contrat. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, on s'est assez plaint actuellement. Et c'est, je vais donc vous dévoiler les chiffres de RPM, on va dire, allez, du mois de juillet, du mois de juin, et allez, même du mois d'août de ce début septembre. Alors, voici les chiffres que je vais vous donner avant de clôturer cette vidéo, parce que ça va bien faire chier RPM, je pense. Alors, un calcul pas sur les vues totales. J'ai été sur mon Analytics, j'ai calculé, donc j'ai fait une division très simple, j'ai pris mes vues estimées avec le salaire que j'ai perçu. Donc, à vrai dire, je ne suis pas du tout dans la période la plus faste au mois de juillet ou dernier sur ma chaîne. Et je vais carrément vous dévoiler mes chiffres parce qu'en fait j'en ai rien à foutre. Donc actuellement au mois de juillet j'ai fait 17 000 vues, pas total, 17 000 vues monétisables. Donc ça veut dire les gens qui ont cliqué sur les pubs, etc. Il y en a eu 17 000 clics. Au total j'ai été payé 46,34 centimes, bah dollars plutôt, dollars, c'est important à dire, dollars. Quand on fait une division, ça veut dire que les 1 000 vues monétisables sont payés 2,72 euros, bah 2,72 centimes au mois de juillet. Au mois d'août, j'ai fait 14 735 vues monétisables et j'ai perçu 42,50 dollars. Quand on fait une division, ça fait 2,88 dollars les 1 000 vues. Et au mois de septembre, donc début septembre, un bon mois pour moi, il faut l'avouer, j'ai fait presque 8 000 vues monétisables. J'ai déjà perçu 22,74 centimes que je n'ai pas perçu et que je ne percevrai que peut-être qu'au mois d'octobre, parce qu'il y a une règle de merde sur RPM, comme quoi quand on dépasse pas les 50 $, on peut pas être payé le mois même. Ça, c'est une merde pas possible. Pourquoi un salarié est obligé d'attendre 2 mois pour avoir 2 salaires cumulés ou des choses comme ça? Je vous comprends pas. Et donc du coup, la valeur de cette somme est de 2,86 pour les 1 000 vues. Ce qui d'ailleurs, on nous disait sur YouTube, il y a une modification des annonces, etc., en fonction des saisons. Là, on voit que RPM ne respecte pas la différence. Donc ça veut dire que peut-être RPM se met dans la poche la différence des prix des annonces que YouTube leur fait. Et ça serait quand même aussi dégueulasse de ne pas varier le prix. Donc voilà, on a quand même un 2,80 centimes pour 1 000 vues chez RPM, ce qui est quand même pas mal, hein. Non, honnêtement, voilà, je donne juste les chiffres pour vous faire chier, juste pour vous donner une idée. Je suis désolé de vous mêler à ça, mais si c'est peut-être la seule solution qui est possible pour que je puisse quitter RPM, bah voilà. En tout cas, c'est peut-être dur de vous demander ça, honnêtement, mais je vous demanderai peut-être de mettre un pouce vert sur cette vidéo pour une fois, pour montrer à RPM que j'ai une communauté qui me soutient. Je ne suis pas là pour pleurer ou quoi que ce soit, mais voilà, je veux montrer à RPM que voilà, ça fait chier ma communauté aussi qu'ils me retiennent. Et honnêtement, si je vois que RPM ne fait rien ou que ça a un effet sur RPM, etc., qu'ils veulent clôturer mon contrat, eh bien tout simplement je supprimerai cette vidéo. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.